Good morning, Alaïda, les sujets aujourd'hui, le Lunish Matra Yester Bet Miriam, Mitrak Bezen Fortuna, et Chaim Michel Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sachat Shabbat, Perek Yud Zain, Mishnah Dalet. Mishnah Hei. Kol Akelim Manitalin Beshabbat, Shivrehen Nitalin Imahen, ou Nitalin, sans dire Imahen, ou Bilvad Sheyu Osin Mehen Melacha. Shivre Areva, Nechasot Behem et Pi Echavit. Shivre Yzuchuchit, Les chassot bahem et pi hapach. Rabbi Yehuda Omer, bilvad sheyosin men melachtan. Shivra areva latsuk letochan mikpa. Veshel zchuchit, latsuk letochan shamen. On continue à découvrir les chot mukhtse en parlant à présent des débris d'ustensiles à Shabbat. À savoir, il y a un ustensile que je pouvais utiliser, ça pouvait être un bol, un verre, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah. Il est tombé par terre, il s'est cassé. Qu'est-ce que je peux avoir avec les débris? On ne parle pas du cas où il y a un danger dans les débris. S'il y a un danger, on a le droit de les ramasser. D'accord? C'est explicite, autant que. Il y a quelques petites exceptions, on le fait avec du mouktsé, que des choses qu'on a le droit de déplacer pour ne pas avoir de danger, ou bien parce que c'est très dérangeant. Mais imaginez que ce n'est pas dérangeant. Ça s'est cassé quelque chose de propre. Est-ce qu'on a le droit maintenant de les déplacer? À savoir, il y avait initialement un ustensile qui était un bol, par exemple. Il s'est cassé. Aujourd'hui, il n'est plus un bol, on ne peut plus rien faire dedans. Alors, si on ne peut plus rien faire du tout, BMH, il est plus. Je n'ai plus le droit de le déplacer pendant Shabbat, parce que maintenant, c'est plus un ustensile. Mais, ce qu'on va voir dans la Mishnah, c'est qu'à partir du moment où tu peux quand même en faire quelque chose, on va voir quel niveau de choses tu peux faire, alors, il garde un statut d'ustensile, et tu pourras l'utiliser ou non, il y aura une marque très intéressante, comme toute la Torah qui est très intéressante, et on commence à traduire tout de suite. Kol hakelim hanitalin b'Shabbat. Tous les ustensiles peuvent être déplacés, que l'on peut... Kol hakelim hanitalin b'Shabbat. Tous les ustensiles que l'on peut déplacer pendant Shabbat, alors Shivrehen Nitalin, on pourra aussi déplacer leurs débris s'ils se sont cassés. Mais, ou Bilvad, à condition, Sheyu Osin Me'en Melacha, qu'ils soient aptes à faire quand même un petit semblant de travail. Par exemple, Shivrei Areva, un des résidus, des débris de Areva. Areva, c'est un bol dans lequel on pétrit. D'accord? Une bassine, en fait, une bassine qui était en argile, ou je ne sais pas exactement quelle matière il la faisait, mais en tout cas, elle s'est cassée, et donc, c'était une areva, ça sert à pétrir. Donc, les chassot bahen et pire chavit. Tu sais quoi? Même si maintenant, c'est plus un ustensile qui peut contenir, tu peux quand même l'utiliser pour couvrir le pire chavit, l'ouverture de ton tonneau. Une fois que tu as ouvert le tonneau pour en tirer du vin, et bien maintenant, il y a une ouverture. Il faut couvrir ça, sinon il y a des insectes qui vont entrer dedans, un serpent qui va entrer dedans. Donc du coup, il fallait le couvrir. Alors, avec le débris de... Si tu as des débris assez conséquents que tu peux l'utiliser pour couvrir l'ouverture que tu as fait au tonneau, eh bien, il a encore un statut d'ustensile. Constatez que même s'il a une fonction qui a changé, avant c'était un ustensile qui contenait, aujourd'hui ça ne contient plus, mais ça couvre. Ou encore, Shivrei Zchuchit, des débris de verre, tu avais un beau verre en verre qui s'est cassé, et maintenant tu le récupères, il n'a pas explosé en plein de petits morceaux, mais en 2-3 morceaux. Alors quoi? Les chassot ba'en et pi apach, que tu puisses l'utiliser pour couvrir un pach. Un pach, c'est une petite fiole, comme l'histoire avec Yaakov et les pachim ktanim. D'accord? Une petite fiole. Voilà pour le premier avis de la Mishnah qui me dit en fait, donc l'ustensile quand il se casse, il faut qu'il ait encore une certaine fonction, même si c'est plus le même type de fonction qu'il avait initialement. Sur ça vient Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit non, ou bilvad sheyosin men melachtan, à condition qu'il soit apte à faire encore un semblant de leur travail initial, de leur fonction initiale, à savoir, shivre areva, si c'est des résidus de areva, du bol, donc, regardez, une areva, c'est un ustensile dans lequel tu pétris. Pétrir, ça implique pétrir une pâte un peu épaisse. Alors je te demande que maintenant, avec le reste du bol qui te reste, que tu puisses tant bien que mal utiliser la tzouk le tochan mikpa, que tu puisses verser dedans pour contenir mikpa. Mikpa, c'est un... C'est... Attendez, machalav, c'est pas précisé exactement quel type. Généralement, on parle de mikpa quand on fait des soupes de légumes épaisses. Une soupe épaisse, un liquide épais. Je te demande pas de l'eau, que ça puisse contenir dans un liquide épais. Veshel zchuchit, quand c'est maintenant un ustensile en verre qui s'est cassé,
Eh bien, il faut de nouveau, le verre, sa fonction c'était de contenir des liquides, mais des liquides très fluides. Eh bien, dans ce cas-là, il faut que maintenant, quand il s'est cassé, que le reste que tu l'as, hein, que tu peux encore l'utiliser pour tant bien que mal, l'utiliser pour transporter un petit peu de liquide. La tzouk le tochan shemen, pour transporter, pour l'utiliser, pour verser en lui de l'huile. Tu l'utilises, par exemple, imagine que tu veux assaisonner une salade en mesurant l'huile, pour ne pas en mettre trop. Alors, tu as besoin d'un petit ustensile qui contient, tu verses avec ça. Si tu pourras, tu peux en théorie utiliser ce bout de verre de cassé pour verser, alors il a encore sa fonction initiale qui est encore là. Mais sinon, non, parce que dans ce cas-là, ça rentre, l'agma, c'est plus précis dans les méfarchim ici. Oui, c'est précis dans le tiré de sel, très bien. C'est à cause de l'interdit de Nolad. En fait, l'agma, elle explique, c'est comme ça, ouais. L'interdit de Nolad. Selon Rabbi Yehuda, il y a un interdit spécifique de ce qui est né à Shabbat. Nous allons le découvrir, surtout quand on verra dans Beitza plutôt. L'interdit de Nolad, c'est une forme de moussé encore un peu plus originale, particulière, qui est quelque chose qui n'existait pas et que maintenant il existe. Ça peut être un œuf qui est né à Shabbat, c'est assez vaste, ça va dans tous les sens. C'est selon la marloquette, est-ce qu'il y a Nolad ou pas, c'est sur une marloquette, sur des Ashkenazim, sur ça, donc le Shouran Ruch et Rama, de là provient la marloquette, que les Ashkenazim font attention à ne jamais laisser de la glace dans un verre vide, parce que sinon ça va fondre et ça va faire Nolad pour le liquide. Donc pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Si on ne fait pas avec les mains, on n'a pas le droit de faire fondre avec les mains. Mais si on les laisse tel quel, il n'y aura pas de problème de Nolad pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, oui. Le Rama, il est Mahmir. Ça fonctionne par rapport à ça. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il est possèque la halakha comme Rabbi Yehuda ou pas. J'extrapole pas. Spécifiquement, en tout cas, pour l'ustensile qui se casse. Sur ça, le Rabbi Yehuda, il me dit, tu sais, si c'était un ustensile qui contenait, alors il faut qu'il continue à contenir. Parce que si avant c'est un ustensile qui contenait, et maintenant c'est devenu un couvercle, il a changé de fonction, il a été créé pendant Shabbat, tu ne peux plus l'utiliser pendant Shabbat. De ce fait, si le verre il s'est cassé avant Shabbat, donc avant Shabbat maintenant il avait changé de fonction. À l'entrée de Shabbat maintenant sa fonction éventuelle, c'est de couvrir une cruche. Eh bien il n'y a aucun problème, tu peux le déplacer pendant Shabbat. D'accord ? Et voilà, Bartanura nous rapporte que la lacha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, mais comme Tanakama. Ah, c'est très bien ce que je viens de lire ici sur le Tiferet Israël, qui aurait le Tiferet Israël aussi, il nous dit, on est tous possèdent la lacha comme Tanakama, que c'est pas un problème, même si c'est plus la même fonction exacte. Cependant, il nous dit le Tiferet Israël, il rapporte, pour la lacha spécialement pour les Ashkenazes, Miu Benolad Mamash, maintenant quelque chose qui a été complètement créé. La différence de notre Mishnah, c'est qu'en fait, l'ustensile, c'était quand même. Il avait un ustensile, et c'est resté un ustensile. Avant, c'était un ustensile qui contenait, aujourd'hui, c'est un ustensile qui couvre. Là, c'est pas considéré comme Nolad, selon Tanakama. Mais quelque chose qui est un vrai Nolad, qui n'existait pas et que maintenant il vient d'être créé, il dit le Tiferet Israël, on est marmire que Nolad Mamash, alors tout le monde est d'accord que ce sera interdit de le déplacer pendant Shabbat. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.